choisi. Le départ m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. Ta mère m'appelle si, oh merci. Quel n'est pas l'état dans lequel je suis en fait. De toute façon, vous me connaissez, moi je suis une go transparente avec vous. Moi, les manières, façon et tout, franchement. D'ailleurs. Non, les gars, venez, attendez, je m'assois. Je me suis noyée dans mon lit. Attendez, je m'assois. Tout à l'heure, j'ai regardé mes vidéos et tout, j'ai grave des manières. Mais j'ai grave des manières, wesh. Mais pourquoi vous me dites pas que j'ai des manières? Attendez, je tourne la caméra. Mais pourquoi vous me dites pas que j'ai des manières en fait? J'ai grave des manières. Alors que franchement, je m'en rendais même pas compte. Genre, je sais pas, parce qu'en fait, je suis comme ça. Genre là, vous voyez, genre. Voilà. Et j'ai regardé ces vidéos. Et je fais. Alors, en fait, c'est grave. Non. Franchement, je vais vous faire une confidence. Et automne, hiver, mes yeux, ils font que de chialer. Je fais que de pleurer. Des fois, c'est trop larmoyant. Je suis dans la rue et tout. Et mes yeux, ils pleurent. Les gens, ils croient que je suis en train de pleurer et tout. Alors que non! C'est le froid qui fait pleurer mes yeux, frère. Je me retrouve avec des gros trucs blancs ici, là, dégueulasse. D'ailleurs, là, j'ai encore des restes de colle. Je suis un peu trop transparente avec vous. Mais franchement, je sais pas, j'aime bien. Genre, je me dis, vas-y, ça y est, on est fatigué. Les gens, ils sont trop faux. Moi, je trouve que le monde, il est devenu trop faux. Le monde, c'est du matu vu, du. C'est trop faux, ça y est, wesh. En vrai, on est des gens, on va tous aux toilettes, on pète tous, on rote tous. On va arrêter. Des fois, je me demande même, est-ce que Kim Kardashian, elle rote? Je crois qu'elle rote pas, hein. Je pense qu'elle elle pète pas. Hein. Je pense pas qu'elle pète. Imaginez Joe Biden, il pète. Quoi, en fait, pour vous expliquer rapidement, au départ, ce vlog, je devais bien le tenir et tout, et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai juste filmé des fréquences, mais c'est des fréquences intéressantes que moi-même j'aime bien. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas grave, au moins c'est des parties de ta vie que tu peux quand même partager avec tes amis, parce qu'on est amis en fait. Je sais pas si tu savais pas, mais en tout cas, maintenant aujourd'hui, c'était mon ami en fait. Donc voilà, d'ailleurs, Ali m'a ajouté sur Snap en fait. D'ailleurs, faut que je recommence à être grave active sur Snap et tout. Je sais pas, des fois, je dors. En fait, des fois, j'ai des moments. En mode, je suis là, je regarde mon Snap et tout. Je disparais. C'est bon, j'en ai marre. Je suis partie dans une déserte. Bon, moi, je suis quelqu'un de très dramatique. De toute façon, dans mon entourage, tout le monde dit que je suis une drama queen, mais je suis grave une drama queen. Des fois, il y a des moments où j'ai besoin de disparaître. J'ai besoin de être là. J'ai besoin qu'on m'oublie et tout. Je me dis, mais Sarah, tu t'attends à quoi en fait? Tu t'es lancé sur YouTube? Tu t'es lancé sur TikTok? Voilà. Aujourd'hui, on a été invité à une vente privée par Citroën. Genre, ils vendent un tas de voitures et tout. En fait, ils reprennent vos anciennes voitures et à un prix plus cher et ils vous en donnent des nouvelles. Putain, il y a grave. Je suis habillée comme une schlag. Non, je fais un vlog. Je suis habillée comme une schlag. Genre, regardez. J'avais pas envie de venir en fait, je comprenais pas ce qui se passait. Et puis finalement, oulala, il y a un tas de voitures, mon dieu. Écule. Il y a grave des voitures, frère. Mais en fait, moi, je croyais que ça allait être gratuit. Ils nous ont même pas proposé à manger. On nous a même pas proposé à manger, tout ça. Bref. Putain, mes cheveux noirs comme ça, j'aime trop. Ouais. MDR. Bref. Nous, nous sommes à la recherche d'un 4x4. Personnellement, moi, ma marque préférée de voiture, c'est Mercedes. Genre, voilà. Après, le truc, c'est que comme on avait une Citroën, ils nous proposent d'échanger, c'est ça. Mais du coup, vu qu'on veut un 4x4 et vu que c'est adéquat, on se dit, regardez ma manche. Quand je vous dis, avant de venir ici, j'étais en train de cuisiner, j'ai de la purée, tchac tchac. Il n'y a que mes ongles qui sont bien. Vraiment. Que de quoi? Attends, je vais vous montrer le 4x4. Attendez, celui-là ça va, je trouve celui-là ça va. Mais celui-là. Mais la couleur elle est grise un peu, je sais pas. Mais moi j'aime bien comme ça. Ah ouais? La couleur. Bah elle est. Allez. Allemand, j'espère qu'il va nous donner un code promo. Comme ça, je vais dire, ouais, monsieur, moi, je suis une grande star. Non, mais moi, la tienne, elle est belle. Celle-là, elle est vraiment belle, par contre. Elle est superbe. Ouais, mais de l'autre côté aussi. Elle est bien noire, en plus. J'aime trop. T'as un bleu noir. Ouais. C'est une boîte, ouais, c'est une boîte auto. Oh, les nouvelles boîtes auto, bien soin, là. Attendez, je vous montre. Regardez, vous voyez ça, ça. Boîte auto des riches. Il n'y a même pas de soleil aujourd'hui. Non mais j'aurais pas. Là on attend que Thibaut vienne s'occuper de nous. Il est grave fatigué. Coucou. Pour le vlog. Thibaut. Sarah B, elle est fatiguée là. Ça fait 100 ans qu'on attend Thibaut. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Non, c'est pour mon vlog. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Qu'il y a un collègue à lui
nous a transférés à quelqu'un d'autre. Ils ont fait un café à mon padre pour le réconforter. Il savoure, regardez. Bref, moi pendant ce temps-là, j'ai pas mangé, j'ai faim. Ça te booste, c'est bien. Ils vont nous ouvrir la porte. Moi, je vais rentrer dans le 4x4. Je vais l'acheter. Hein. Franchement, je l'achète. Je l'achète. Salut les amis. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et je vais à Versailles, bébé. En fait, je suis trop contente parce que ça fait des années que j'ai envie d'aller à Versailles. J'y suis jamais allée. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Ah, je trouvais pas le compagnon. Enfin, je ne trouvais pas de pote pour y aller. En vrai, j'aurais pu y aller seule. Mais en fait, j'avais peur un peu. Je sais pas pourquoi, mais bref. Du coup, là, je suis trop contente. J'y vais avec une copine, d'ailleurs. Donc, je vous la montrerai tout à l'heure. Désolée, franchement, je suis un peu fatiguée parce que je suis un peu triste. Il y avait un taf que je voulais trop et tout. Hé, arrête de crier, s'il te plaît. Il y avait un taf que je voulais trop et tout. Ils m'ont pas pris. Alors que je pensais que j'avais d'aide. Ils m'avaient donné l'impression d'avoir d'aide et ils m'ont pas pris. J'ai envie de pleurer. Bref, c'est pas grave. En plus, j'ai trop le seum parce que du coup, on n'a pas eu le temps d'aller manger. Et là, j'ai envie de manger genre... Ah, mon truc qui tombe. C'est mon truc, mon sérum pour mon oreille à cause de mon piercing. Bref, je voulais trop manger pour évacuer, mais à cause du truc, bah, je peux pas manger. Donc bref, on va y aller. Et là, j'ai même pas mangé parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai même pas faim. Donc voilà. Thérapie les frères. Putain. Du coup, j'ai rejoint ma copine. Voilà. Là, nous. Ouais. On est au château de Versailles. Wouh. Je dois être excitée. Je dois être excitée. C'est ça le problème. De sortir avec des activistes. Oh putain. Sortir avec des activistes, des fois ça peut poser problème. RRC. La marche verte, non. La marche verte, non. Nous allons. Là. Here. Arrivé à la station. Il pleut, mais on est là. À la station. Ah ben là, à l'envers. Versailles rive gauche, château rive gauche. Là, on va marcher pour y aller. Il pleut! Il pleut! Bref, notre solution à l'appui. Hein? Nouvelle pépé, lace frontal orange et elle, perruque bleu marine, lace frontal aussi. Mais là, faut que je me plaigne parce que je suis choquée. Je traverse le 77, 75. 78 pour qu'il y ait des échafaudages. Pour qu'il y ait des échafaudages. Et la pluie grave sur le château. C'est une blague là. Ah, c'est un château? Ben oui, c'est un château. Et des échafaudages, wesh. Ah ah. Je suis choquée. I am shocked, guys. I want to go back home. But it's too much far away. Yeah, yes. Welcome in my home, guys! Versailles! Il vient de nous chasser parce qu'on était à contresens. Ma chérie, tu es à contresens. Trop la honte. Ça veut dire que là, il nous a dit de redescendre pour remonter à l'endroit, en fait. Remonter à l'endroit, genre. Ça, c'est de sa faute. Je l'avais dit. En plus, moi, je suis crasse aussi. Comme tout ça, on nous a pas chassé. Donc, ouais. Continue. C'est ça, en fait. C'est, clairement, on se dit, si on ne chasse pas, c'est que c'est bon. Et personne ne nous a chassé, sauf là, paf. Alors qu'on a visité un tas de trucs déjà. En plus, on avait bien vu, c'était écrit entrée interdite. Vraiment, il n'y a pas d'escalier, c'est interdit. Décidément. Moi non plus. Où est l'entrée? Où? Where? I'm in my home. Welcome in Versailles. Oh. Il y a grave des gens qui prennent des photos. Je suis en train de gâcher leurs photos depuis tout à l'heure.
elle est énorme. Alors on fait que de se perdre, j'ai reperdu, mais ça doit être là-bas, non? Les appartements. Ah, appartement de la Dauphine, ouais, c'est par là. Le putain. On est fatigué de se perdre. Le mec, on a revu le même mec qui nous a redit que c'était pas au bon endroit. C'est une dinguerie. I cannot fuck with you, baby, you right. You are not for me, goodbye. You ain't shit to me. We're looking for the garden, but we don't find the garden. Since now, maybe 10 minutes, guys. En tout cas, très bonne visite. C'était très bien. C'était vraiment cool. Même si on s'est perdu, ouais, peut-être. Beaucoup critiqué les chambres. Ouais. Des filles rois, de. Là, ouais. Des reines, je sais pas qui là. Ouais, des princesses. Il y en a, ça allait. Il y en a les lits, on se questionnait comment ils faisaient pour rentrer dedans. Ouais, clairement. C'est pas possible en fait. Donc voilà, on vous conseille de venir au château de Versailles. Voilà. Juste à la fin, faites attention parce qu'en fait c'est une arnaque. Vous pouvez plus. En fait, vous sortez. Dehors. Et faire attention au sens aussi. Ah ouais. Faut rentrer par le truc où c'est écrit galerie des glaces. Voilà. Hein? Parce que nous, bien évidemment, vous arrivez, personne ne vous indique le chemin en fait. Donc vous devez vous faire le chemin tout seul. Puis nous, on est parti à contresens. On nous a dit, mais les demoiselles, les petites minettes, là, les mistinguettes, vous faites quoi? Demi-tour, hé, quand même! Arrête, le mec il nous a dit demi-tour! Je me dis, mais oui! Bon, ça va, il était gentil. Bon, deux fois quand même, mais bon. Deux fois quoi, deux. Mais c'était bien. Très bien. Donc, au revoir ma maison! Au revoir la maison! Au revoir la cuisine! Au revoir la salle de bain! Arrête de faire ça! Les amis, tout se passait bien jusqu'à que nous arrivions à la gare. Il n'y a pas de train. Il est 18h30. Le train que nous devons prendre est à 19h10. Allez. Bah sinon on prend le 18h55. Hein. Versailles, sachez que votre ville est très mal faite. Incompréhensible en rapport des transports. On est perdu là, on cherche le bus. Allez, en mode suicide. Mais ça c'est pas ça. Garde. Si c'est ça. Ma parce que t'es les partagé. Ma parce que t'es les partagé, elle va s'en aller. Ma parce que t'es les partagé. Putain de merde, le plan est gâté. Les amis, là, oula, le fruit est vraiment. Waouh. Mais c'est pas, il n'y a pas assez de luminosité, mais bref, là on se prépare, on va manger au restaurant ce soir. J'y vais avec mon frère et mon père. Ensuite, demain, je vais me faire coiffer. Ensuite, samedi, j'ai l'anniversaire d'une copine. Et dimanche, je vais chez une autre copine pour faire à manger. En fait, je trouve que mes semaines, elles sont assez mouvementées, hein, même quand je travaille pas. On va déguster ça ensemble. J'ai peur. On dirait mon gâteau d'anniversaire de cette année. Et y a du gâteau. Oh Seigneur. Y a du biscuit au fond. Coulis de fruits de la passion. Eh vas-y, que dire. Je me suis tassée. Regardez. Là il s'est fait griller sa viande, tout ça là. Mais là c'est fini là. De quoi? Mais là c'est fini, vous pensez on va dormir? Qui va dormir? Salut, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent, je suis Sarah Bella Fraise de Strawberry. Et pour ceux qui me connaissent pas, et pour. Comme de. Est-ce que vous voyez? Vous voyez quand même? Bref, générique. Je suis désolée. Mais en fait, je me suis pas lancé un défi, mais j'ai envie de voir. Ce que ça fait d'être 100% naturel. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais vous voyez,
La dernière fois, j'ai regardé la vidéo de Yanissa et Crazy Sally et elles expliquaient que bah, l'ancien YouTube, ce qui est vrai, l'ancien YouTube, c'était du tac au tac. Il n'y avait rien de préparé. Il n'y avait pas de ouais, tu poses ta caméra, tu rentres et tout. Enfin, vous avez capté l'idée en mode, c'était pas des films, c'était pas comme à la télé, tu vois. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que même par exemple, excusez-moi, mon œil, il me gratte de fou. Et c'est là, ça m'a rappelé Lena Situation en fait. La plupart de ses vidéos à l'ancienne, c'était vraiment genre tac, 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 tac. Quand il vloguait sa journée, voilà quoi. C'était la réalité de la vie. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer parce que. Ben, j'ai jamais fait ça en vlog en fait. À chaque fois, mes vlogs, ils sont pas. C'est pas qu'ils sont travaillés ou trafiqués. C'est vraiment ce que je fais dans ma life. Mais tu vois, il y a un peu de vouloir que ce soit parfait, tu vois. Et là, j'ai envie de voir un peu ce que ça pourrait être en mode ghetto. En vrai, je sais pas si ce serait vraiment en mode ghetto, mais vous avez capté l'idée. Aujourd'hui, on va voir Woman King au cinéma avec mon père et mon frère. Et regardez, j'ai essayé de faire des bières, mais oh my god, ça donne pas. Mais par contre, j'aime trop le look que j'ai, genre, j'aime bien comment j'ai fait une queue à demi-tête et tout. On dirait un peu les meufs années 90 aux États-Unis avec les box et tout, ma petite veste vintage. Bref, donc voilà, en fait, à tout à l'heure. Enfin arrivé dans l'ascenseur, on va bientôt dans la salle. Trop hâte de voir le film. Deuxième étage. Bah, ah non, je viens en première là. Viens, ça devait commencer à 20, mais vous connaissez les cinémas, ça a toujours du retard. Donc je me suis dit, vas-y, on peut arriver 20 minutes en retard. Et... là, on est 30 minutes en retard. Oula. Sont nos ancêtres qui pleurent, car ils partagent notre souffrance dans les cales sombres des navires à destination de rivages lointains. Mon père, il aime trop les films de guerre, ça veut dire qu'il a grave kiffé le film. Parce que les meufs, c'était des guerrières de ouf. Et franchement, le film. Toi, tu mets combien? Tu mets combien pour le film? 11. Il a mis 7. Moi, j'aime. Toi, tu mets combien pour le film? J'ai fait sur 10. Vas-y, lui. Bref, déjà, il regardait même pas. Il avait grave chaud. Moi, je mets un petit 8. Hein. Je mets un petit 8. Parce que franchement, il y avait des scènes. Oh, il y avait des scènes de ouf et tout. Mais franchement, c'était archi bien.